Gospel Cross. Bienvenue amis et fidèles de www.gospelcross.net. C'est un dimanche, le 24 juillet. On se croise encore aujourd'hui pour une production scénique de la sœur Tété Maccabi. On ne pouvait pas abandonner et ne pas faire nos bonnes habitudes, c'est-à-dire avec Gospel Cross qui est le grand carrefour religieux. Vous allez vivre l'événement comme si vous étiez sur place. Et au courant de cette production, on va vous montrer les points chauds, on va faire des interviews avec les frères que vous connaissez bien sûr. www.gospelcross.net. À très bientôt. Oh,
Les concerts viennent de prendre fin avec des difficultés énormes. Il y avait des sérieux problèmes de panne technique. Mais chose grave aujourd'hui, nous avons vu l'artiste communier avec le public. C'est-à-dire l'ambiance était festive. Malgré des problèmes techniques, l'artiste a vraiment chanté avec le public. Et là, on va prendre le frère Hervé Perrette. Frère Hervé, avec des difficultés énormes, on vient de finir la production d'aujourd'hui. Un mot pour tout le monde. Voilà, nous remercions vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est une grande réussite. C'est vraiment une grande réussite, malgré que le diable a voulu un peu nous distraire au début. Mais Dieu a fait grâce que ces concerts puissent terminer avec un grand succès. Et nous sommes réellement bénis avec ça. Vraiment, les mots me manquent pour remercier le Seigneur Jésus-Christ et la CRTT, qui est vraiment une personne qui nous bénit ces derniers temps. Vraiment, nous sommes vraiment heureux. Que Dieu bénisse ceux-là qui vont suivre aussi sur Gospel Cross et qu'il bénisse aussi tout le monde dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse richement. Et on avait fait un concert amical, un concert vraiment à l'occasion de la réussite du Grand Hôtel. Et c'était important que l'on fasse un concert pour remercier le Seigneur. Mais on a eu de petits ennuis, comme toute œuvre humaine a toujours des imperfections. Mais ça a marché, on a dompté les difficultés et l'ambiance était bonne. Merci pour cela. Donc ça n'a pas été facile, mais c'était une réussite à sa manière. Le prochain rendez-vous, c'est d'abord pour le 7. Le 7 août, on sera au Mémorial Pierre Savorion de Brazzaville pour un concert, je dirais, gratuit encore, mais DVD concert. Quand vous achetez le DVD, vous entrez au Pierre Savorion. Déjà, après le dimanche du 31, nous serons à Brazza. Et après cela, le 18 septembre, on sera à Pointe-Noire, chez le Russo, pour un concert inédit. Donc c'est juste le programme que je peux donner. Tout ce que je sais, c'est qu'en octobre, nous serons à Cape Town pour un concert et encore très chaud, puisque celui-ci est par la grâce de Dieu. Donc c'est ça. Et c'est tout ce que je peux dire. Il y a un programme qui me guette, qui peut bouleverser le tout, c'est que je dois me retrouver en Angola. Et juste après, je veux rentrer. Mais si le visa ne sort pas, alors je veux respecter le calendrier. À ce grand public qui est venu répondre massivement à l'invitation que la société leur avait lancée. Donc, tout ce que je peux dire, comme le frère Branham dit, que le plus beau mot qu'un humain peut dire à un autre, c'est que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, et c'est avec vous que nous irons plus loin que ça. Amis de www.gospelcross.net, les rendez-vous est... Calais, elle vient de nous parler de ses prochaines prestations. C'est au Congo Brazzaville, au Congo d'en face. Et on vous promet que Gospel Cross va aussi traverser pour accompagner la soirée d'été. Parce que vous savez très bien que nous sommes en train de suivre petit à petit les programmes de nos sœurs et frères qui sont ici à Kinshasa et qui travaillent ensemble avec Gospel Cross. C'est pourquoi on va être avec la soirée d'été pour vous montrer ce qui s'est passé, ce qui va se passer réellement au Congo Brazzaville. C'était Trésor Baya, aidé à la caméra par le frère Billy Kabea. Que Dieu vous bénisse. Gospel Cross.